pour une nation unie. Ils continuent le combat jusqu'à ce que la paix sourit. Il est le phare dans la nuit, la voix des opprimés. Pour le peuple gabonais qui se bat, est engagé, sa mère. Pas de cour en chef, pas de cour en chef. 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 Yo la famille, bien le bonjour chez vous. Merci de partager massivement le live, la famille. Insécurité et justice pour Michaela ou Michela. Mais avant de commencer ce live, la famille, on va pas commencer le live là comme ça, les gars. Vous savez, ça fait un an. J'ai patienté les un an là avec vous ici. Là. Pendant ces un an, j'ai eu à subir les insultes du peuple gabonais. Pendant un an, j'ai eu à vivre l'ingratitude du peuple gabonais. Pendant un an, j'ai eu à subir et voir l'hypocrisie du peuple gabonais. Dorénavant, je vais reprendre ce que je sais faire le mieux. Frapper où ça fait mal, comme je veux et quand je veux. Je préfère vous le dire aujourd'hui, cache. Tu veux la sagesse, tu dégages de ma page. Tu veux la sagesse de Salomon, tu mets ça dans ton cul, en fait. J'ai plus rien à prouver dans ce game. Et grâce à vous, là-bas le Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'historique, parce qu'il y a des gens qui arrivent nouvellement dans la page qui ne connaissent pas l'historique. Avant de commencer ce live, et là je m'adressais au balcon avec lesquels on faisait les lives à l'époque, on était 10, 15, et même quand on atteignait 100, on faisait les captures d'écran. À cette époque, le blog gabonais surfait sur les buzz des Ivoiriens. Quand on regardait à l'époque tous les blogueurs ou pseudo-influenceurs gabonais qui avaient une pseudo-visibilité, à part les activistes qui restaient toujours, ils n'avaient pas une grande audience, mais ils étaient là. Mais tout le monde surfait sur le buzz ivoirien. Ma première vidéo qui a eu à bousculer les codes, c'était la vidéo dans laquelle je m'adressais au peuple ivoirien quand les Gabonais balançaient le petit Clovis Zon, le petit Clovis Zon à la verdict populaire. J'étais assis, je regardais les Gabonais laisser nos frères ivoiriens lyncher Clovis Zon. C'est là où j'avais fait ma première vidéo fracassante, que j'étais sorti, j'étais le seul Gabonais, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. À cette époque-là, oh, on ne devait pas toucher les Ivoiriens. Non. On ne devait pas toucher les Ivoiriens. Je me suis levé, j'ai donné le courage. Et c'est ce que j'ai toujours su faire. Après, j'étais assis, on parlait toujours du combat. Mais j'ai remarqué que les problèmes des Gabonais, c'était les Marcosou qui parlaient de ça. Les problèmes des Gabonais, c'était un petit national qui parlait de ça. Je me suis assis, j'ai dit, mais attendez, d'abord, oh. Ils possèdent quel droit, quelle accréditation ils ont eu afin de s'asseoir et de parler des problèmes des Gabonais. Parce que je vois à l'époque là, même chez Marcosou, chez Aputu National, je voyais des verges bleues. C'est les problèmes des Gabonais et c'est ça
qui a même permis, qui a même fait en sorte que même Makosso manquait de respect au Gabonais, même la Poutou nationale manquait de respect au Gabonais. Je me suis dit non, 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 non. C'est Gabon d'abord. Nous sommes la seule page gabonaise, la page la plus influente du Gabon, qui s'est basée en traitant les sujets du Gabon. On a pris Makosso, KO, on a pris la Poutou nationale, KO, Bob Lee, le dernier live que Bob Lee a eu à voir sur l'affaire de Dina, où on bat de Konis Bob Lee meurt après une semaine. C'est nous. Bob Lee n'a même pas Bob Lee, l'impoli des impolis. On a fait un live, on a mitraillé sur l'affaire de Dina. Bob Lee est devenu fou. Vous oubliez, les gars. Mais il faut vous faire un rappel mémoire. Vous comprenez? Donc, et en termes d'influence, on n'a plus rien à prouver dans ce game. Vous voyez, 21 000 personnes connectées. Donc, nous sommes déjà d'abord 21 000, après 22 000 personnes connectées. Donc, après nous, c'est nous, record national. Il n'y a pas, hey, on n'est pas les amis de quelqu'un. On n'a plus rien à prouver en termes d'influence et de visibilité. Et c'est là où je rappelle à la balle au Congo ceci. Vous êtes le groupe le plus influent du Gabon. Ne l'oubliez jamais. Vous-même, vous avez vu, c'est 21 000, 22 000. Donc, après la balle au Congo, c'est la balle au Congo. Personne n'a fait ça en live, personne. Et là, peut-être, on ne sait pas, ce sera peut-être comme le Real Madrid. Peut-être, c'est quand on aura peut-être 50 ans qu'on va voir quelqu'un qui va venir dépasser la barre des 22 000 personnes connectées. Donc, il y a un moment donné, on n'est pas, quand les enfants disent, il n'y a pas quelqu'un. Et ça, je pense à la balle Kongeng. Hormis ce côté où on a verrouillé les Makosso, les Aputu, on fuit. On a pris les problèmes du Gabon, les problèmes en main. On a rendu Ali Bongo et la Young Team fou. On a envoyé Capello en prison. On a envoyé Emmanuel Zoma en prison. On a pris l'Esther, le problème d'Esther Miracle, jusqu'à forcer la Young Team. Jusqu'à forcer la Young Team à décréter le deuil national. On a fait une mobilisation générale au port Mall. L'histoire de Glenn, on a fait des records de cotisation. Glenn qui était vu comme un bandit, comme un malfrat, grâce à la puissance de la Balokon Gang. Glenn est parti de l'autre côté en héros. Parce que tout le monde avait peur. Donc ça veut dire que nous, on frappe sur tous les niveaux. Religion, on a pris Emmanuel Zoma, prison, pas de diffamation, hein. Preuve à l'appui. Diffame pas. Je ne diffame jamais. La balconisation n'est pas une diffamation. La balconisation, c'est une mise à nu, preuve à l'appui. Je parle ça clair, net et précis, en fait. Donc, on frappe dans tous les domaines, sport, religion, politique, social. Parce que oui, nous sommes le groupe le plus solidaire du Gabon. Si on se met à compter toutes les récoltes, toutes les cotisations que la Balokon Gang fait, à notre actif, nous avons déjà atteint la barre de 10 millions, 2 millions là-bas, 1 million là-bas, 500 000 là-bas. Et les gars, et je vois, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Vous comprenez bien? Les personnes qui s'amusent, et dès que vous ne venez même pas me dire, Balokon en chef, il n'y a pas, il n'y a personne. Nous sommes au sommet de la communication du Gabon. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça en fait. Dorénavant, on va faire le rapport de force. Je vous dis ça toujours à chaque fois. Pendant que les autres, à l'école des champions, aimaient Benjamin, moi j'aimais Cesare. Pendant que les autres, dont Dragon Ball Z, aimaient Sangoku, moi j'aimais Vegeta. Pendant que les autres, dans les Chevaliers du Zodiac, aimaient Seiya, moi j'aimais le Phénix. Parce que moi, j'ai toujours aimé le passage en force sur la personnalisation directe de la fierté, de l'honnêteté et de l'intégrité. Je pèse bien mes mots. C'est cette définition-là. Et quand on part côté stratégique, je suis Yu-Gi-Oh! Tant de combats menés, aucun chaos. On met les chaos à tout le monde. Donc, dorénavant, je ne vais plus accepter les conneries comme ça, en fait. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un. Non, vous êtes nos seconds, vous allez être nos seconds toute la vie. Et là-bas, le Kongeng, on doit rester maintenant concentré parce que un an
de douceur, un an d'insultes, un an d'ingratitude, un an d'hypocrisie termine aujourd'hui. Je deviens plus impoli que jamais. J'étais déjà impoli, hein. Je deviens à partir d'aujourd'hui-là plus impoli que jamais. Humilité, son cul. J'ai plus le temps. Parce que quelque part, j'ai laissé cette opportunité. Parce que le Balocon de 2017, je ne voyais pas les conneries comme ça qui se passaient sur les réseaux. Parce que j'étais en mode action-réaction. Dorénavant, tu t'amuses avec le Balocon, chef, je t'écrase. Je t'écrase. Point net. Hein. Et maintenant, tu vas tester, test. Je t'écrase. Mais il y a des caractéristiques. Il hein. Faut que quand tu fasses une vidéo où tu parles du Balocon, chef, tu as 200 000 vues de ta vidéo là, en fait. Parce que je ne suis pas là pour former. La Balocon Gang ne forme pas. Non, 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 ne fabrique pas. Tu as fait une vidéo, tu me tapes fort, je vois 200 000 vues. Je sens que oui, là tu as mis la barre haute. Là je sors et je t'écrase. Je sors et je t'écrase. Nous avons le quatrième pouvoir. C'est la Balocon Gang qui gère la communication au Gabon. Nous avons ce putain de quatrième pouvoir. C'est nous qui possédons ça. C'est même pas les médias du Gabon. C'est la Balocon Gang, que vous le vouliez ou pas. On a le meilleur service de renseignement du Gabon. Le service de renseignement qui renseigne les renseignements. On va encore vous démontrer ça aujourd'hui. Parce que nous sommes ce putain de service de renseignement qui renseigne les renseignements. Ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal que le chanvreux là est le seul fumeur de chanvre que les mamans appellent mon fils. Ça vous démange, ça vous énerve. Mais vous avez remarqué une chose. Toute cabale menée contre Badocon en chef pour vouloir séparer le Badocon en chef de sa Badocon gang n'aboutit pas. N'aboutit pas. Donc vous êtes fait, vous allez tout faire. C'est parce que, hormis le fait que j'ai un fort caractère, il y a aussi une onction divine qui est sur ma tête. C'est parce que je suis appelé à faire des choses grâce à ma Badocon gang dans le Gabon là. On a déjà fait, mais on va faire encore des choses plus énormes. Nous sommes les chefs, nous sommes les patrons. Voilà, et maintenant vos culs. Le live commence. Nous étions là il y a, je crois qu'il y a 4 jours. Hein. Il y a des petits qui m'avaient écrit concernant la situation de Port-Gentil. J'étais choqué. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de délire? Ils m'ont d'abord envoyé la vidéo de l'autre petit qu'on a eu à Blouc. Et 2 jours après, c'était chaud. Comme on voit les vidéos, je sens que c'est chaud comme ça, c'est comment? Une fois de plus encore, la Balocon Gang est sortie. Tous les bons gentils, les gars de bons gentils se plaignaient. Ils disaient, ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y avait pas un dispositif militaire digne de ce nom. Ceux de bons gentils, ça, c'est pas avant hier, c'est 2 jours avant. Hein, c'est 2 jours avant. Même 2 jours avant la publication, ça chauffait déjà. Quand la Balocon Gang a pris, c'est ça la force et le partage. Et parce que nous sommes une chaîne de solidarité invincible. La sécurité, c'est un secteur. Et aujourd'hui, je vais d'abord conseiller et en même temps baloconiser nos petits frères de Porg. Après, on va enchaîner avec la tragédie au niveau de la petite. Putain, j'ai même mal au cœur, quoi. Michaela, parce que là j'ai mal. J'ai mal. Mais on va faire ça avec. On va faire avec. On va enchaîner après avec ça. Et on va aussi avertir le peuple gabonais qu'on ne va pas se limiter qu'à Michaela, parce qu'il y a aussi des zones d'ombre dans la mort de ma petite sœur, la blanche de Moabi. Et vu que la Badocon Gang est spécialiste au Gabon, pour résoudre les enquêtes impossibles. Oui, c'est nous. On va prendre aussi ce dossier en main. Donc, on va d'abord faire une petite historique de nos bandits en carton, tout en conseillant nos petits frères. En même temps, nous allons aussi dédicacer nos artistes nchamistes. Oui, parce qu'à un moment donné, vous pouvez faire vos ncham, mais vous tuez quelqu'un, poignez quelqu'un, et vous allez nous arrêter ça. Vous allez apprendre, on va vous apprendre à écrire des bons textes. Vous avez la Balocon Gang, si on veut le signaler. On fait sauter les pages. Hein. Je suis obligé de donner ça dans notre palmarès. On fait sauter les pages des gens. Même ma peau est devenue fou. On fait sauter les pages des gens.
Donc, ne faites pas en sorte qu'on emmène le signaler. Vous-même, vous savez comment, quand la Balogun Gang se fâche, on traumatise vos carrières. Donc, ne venez pas réveiller encore les vieux démons parce qu'on se dit que nous sommes déjà dans une nouvelle phase. Mais vous connaissez. Donc, la Balogun Gang avait même mis toutes vos carrières en stand-by. Donc, les gars, ne venez pas, ne faites pas en sorte qu'on revienne encore à ça. Même là-bas aussi, même dans la musique gabonaise, on fait ce qu'on veut. Donc, posez les cœurs. Bon. On va commencer avec nos stars du jour. On va décrypter petit à petit, en fait. On va les décrypter, les stars, les grandes stars. Là, on voit qui? Le Nyamboy. Fume un boko normal, normal. Peuple gabonais, tu dansais ça. Voilà une masse de bandits. Il y a une masse de grands bandits qui arrive. La masse des grands bandits en question. C'est pas ça pour gentil là-bas, non? On va vous braquer. Et vimba les chats. Et onyongo. Fume un boko normal, normal. Donc, peuple gabonais, on va maintenant interdire la hack. On doit maintenant censurer. L'Ancham, c'est pas mauvais. On n'a pas un palabre contre l'Ancham. Les gens ont dit oui, en Afrique du Sud, en France, on utilise les paroles, c'est dans les codes de la rue. Non, là, ça bouge. Ça ne devient plus un code de la rue, ça devient un code de banditisme. Parce que si on parle même d'Ancham, le Nabo passe partout, et Moro, le Koudou de Djirio, faisait l'Ancham, il fait l'Ancham. C'est même lui le père de la chose, le fossile même de la chose. Mais. Il fait une chambre, il parle de son joker, il parle des mingas, il parle des machins. On peut faire l'ancham. Big Lou a chanté, chanté le Ngembe. Vous ne voyez pas que depuis que cette musique a pris une ampleur, pas le concept d'ancham, mais avec leurs paroles, on tue quelqu'un, il n'y a pas l'homme. Bon, on va voir les personnes qui chantent ça, qui disent ça devant vous. Là, c'est le Nyamboy. Petit. Faut arrêter de tourner n'importe quoi, hein. Sinon la balle au congé va te censurer. Voilà. Le Nyamboy, il est tranquille. Il est avec lui. Quatrième. Ah, le quatrième, c'est bandit. Il y a quoi? Il n'y a pas quelqu'un. Ah, ça c'est dans tous vos textes. Il n'y a pas quelqu'un. On décrypte, hein, c'est APC. Allons-y. Vous voyez comment ils sont pleins dans les substances bizarres. Très nerveux. Les enfants là sont nerveux. On continue, ne vous inquiétez pas, j'ai fait une collection de vidéos. Il s'est fait gagner. Oh, il n'y a pas quelqu'un, il est en fou. Wouh! Il n'y a pas quelqu'un. Embargo total. Embargo total. Regarde. Wouh! Regarde. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Regarde. Vous êtes quoi, c'est? Vous êtes quoi, c'est? Vous êtes fou. Regarde, il n'y a pas l'homme là-bas. On parle de la Nouvelle-Zélande. Regarde, vous êtes quoi, c'est? On parle de la Nouvelle-Zélande. On vous parle de la Nouvelle-Zélande. Tiens d'abord, tiens, ça m'a la famille. Tiens, le Real Madrid. Le grand bandit est tout POG. Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas quelqu'un. Tu as peur de dire ça, grand. Ça n'est pas. Tape même la tête là. La tête là, regarde. Il n'y a pas. Il n'y a pas une bouteille qui. Oh, il n'y a pas une bouteille qui. Il te laisse la tête là. Vous êtes fou. Oh, non les gars, c'est les terroristes. J'ai même pas. Hein? Y a pas l'homme, Mathieu de Nouvelle-Zélande, 4e de pop. Hein? Y a pas quelqu'un. Ok. Tu. Oh!
Le plus grand bandit de Port-Gentil, c'est Zépé Quignon du Real. Oh non, c'est pas, j'enlève, il est trop vilain, il me fait même peur celui-là. Oh, oh, petit, je prends des gens, je prends de faire des cauchemars. Les petits banganons, pourquoi vous avez vu, tu vas gratter les yeux? Pourquoi vous avez vu, tu vas gratter les yeux comme ça là? On va voir que dans vous français, c'est au quatrième du seulement, t'es pas dans la Nouvelle-Zélande. On ne croit que c'est la Nouvelle-Zélande, ici, Faradja, le Jamaïcain, vous savez quoi c'est? Les gars. Ouh, non, les gars, ils sont sérieux. Ils me font peur. C'est le quatrième d'époque là-bas qui dit. On a dit, hein. On n'est pas plus trop, on n'est pas plus trop. Oh, Zépé Kenyo, là, il a directement sorti les lunettes des séries qui est sous qui. Oh, les gars, là, il n'y a pas quelqu'un. Je jure qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas l'homme. Voilà, c'est le quatrième. Faut le voir ça. Hein? Faut voir ça, regarde. Et c'est qui? Et c'est qui? Il n'y a pas une province qui peut jiguer, regarde. Il n'y a pas Port-Gentil, il n'y a pas. Où vas-tu? Il n'y a pas de la panne. Mais ça, c'est des vrais bandits. Enlevez les réseaux. Enlevez les réseaux. Enlevez les réseaux. Oh non, j'ai peur, c'est les bandits, j'ai trop peur. Non. On n'est pas le plus trop, on n'est pas le plus trop, c'est le quatrième arrondissement des points là. Tu veux écouter là? Allez là, c'est l'équipe, il n'y a pas l'homme. C'est la Nouvelle-Zélande. On n'a pas peur des coups de il va vous dire, c'est qui c'est le plus grand bandit des points gentils? Là, c'est la partie qui me tue, quoi, le professeur. C'est qui c'est le plus grand bandit du pays du bord de Port-Gentil? C'est le Pequeno du Real. Oh, là, il va Parfois il faut sortir la tête de l'eau pour mieux respirer, la remettre dedans, car c'est dedans que se mène le combat. Est-ce que vous savez ça? Moi ici là-bas, le mien est bravo, c'est la capitale économique. Vous connaissez le Ken Kaolo. Oui, Bané. Seigneur, j'ai peur. Mais qu'est-ce que la bordel la fout là-bas? Eh, ça c'est les filles qu'on baisse dans le chanvre. Oh, ma petite soeur, toi, t'es pas Henri Gras. Tu fais quoi là-bas, ma fille? Tu vas t'en dire, petite femme claire, femme claire, femme claire, fais quoi là-bas? Oh, petite femme claire. Oh non, 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 non. Petite femme claire, tu peux pas te retrouver dans les endroits comme ça. Non, petite femme claire. Donc, je mène le combat. Est-ce que vous savez ça? Moi, ici, là-bas, le mien est bravo, c'est la capitale économique. Vous connaissez le Ken Kaolo. Oui, Bané. Non, 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 faut respecter quand même le thème des femmes claires. Moi, je confirme. Après le courage du Mouréri au Gabon, c'est la femme claire. Après le courage du Mouréri au Gabon, c'est la femme claire.
Oh, femme claire est courageuse, hein. Oh, femme claire. Ça me perd mes problèmes. Mais non, les grands bandits. Vous savez que c'est moi, Pierre Belmar, des enquêtes impossibles. Vous avez vu avoir les premières séquences des grands bandits. Il n'y a pas quelqu'un pour eux. Ils ont même femme claire à côté d'eux. Ce n'est pas des petits bandits. Hein. Non, 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 non. C'est les bandits de haute gamme. C'est les premiers bandits que je vois avec femme claire à côté d'eux. Il faut quand même admettre que les petits là, ils avaient femme claire à côté d'eux. Les grands bandits. Non, vrai, vrai. Les policiers sont arrivés à Port-Gentil. Mais là, ça va être le cartel de la Cité des Dieux. Les bandits via les policiers. Regardons le film. Et va. La bobine là est bizarre. Je me suis dit qu'il devait avoir tout. Comment ça, on a un bandit déjà comme ça, là, à peine la police est arrivée. C'est vrai qu'il y a un genre de délire. Cassette là, quoi. Il va voir la police. Bah, c'est bon, gars. Hein? On a quand même déjà. Oh, il n'y a même pas de. Il n'y a pas quelqu'un là. C'est tout le genre. Oh, les gars. Non, 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 non. Oh, non, Zé Pequeno, va appeler tout le matin. Là, il va appeler à la révolution. J'ai même le volume. Parce que là, Zé Pequeno, c'est lui le dingue. Là, il va appeler à la révolution. Il va demander à tout son mapan de sortir. Parce que là, c'est. Il va demander à tout le mapan de sortir. Ça, c'est le chef des bandits. Il y a des petits qui marchent ensemble depuis de la même génération. L'autre est venu chez l'autre. Ils ont fait la bagarre. L'autre a coupé l'autre les doigts dans la bagarre. L'autre est retourné prendre ses frères. Ils sont revenus chez les autres. Bastonner les gens, braquer les gens. Ils sont retournés. Eux aussi, ils ont formé leur gang. Ils sont aussi retournés là-bas. Faire ce qui s'est passé hier, là. Et tout le monde est au courant de ça, là. Quand je vous dis, les bandits en carton, je vous ai fait la démonstration, là, hier, lors de mon live. Il n'y a pas quelqu'un. On tue, on tue. Les policiers sont arrivés. Regardez l'attitude. Et c'est comme ça que tous les bandits en carton, là, dont tout le Gabon sont. La grande gueule quand ils sont en groupe. La grande gueule quand ils ont les couteaux. La grande gueule quand ils attaquent en masse avec les bouteilles. Dès que les policiers sont arrivés, Zé Pequeno, au lieu de prendre ça, ces microbes de la Cité de Dieu, aller affronter les militaires, regardez ce que Zé Pequeno fait. Il fait une vidéo avec la famille. Il a sa petite chérie à côté. J'espère que ce n'est pas la petite Claire là, avec son mouna en main. Donc là, actuellement, là où il est là où il est assis là, ce n'est pas Zé Pequeno. Là où il est assis là, c'est peut-être Petit Papa ou Pepito ou Pichou. Là où il est posé là, c'est plus question, il n'y a pas quelqu'un. Là, c'est une question qui vient là, on dit, Pichou, va puiser de l'eau. Il va partir puiser de l'eau. Là, il fait la vidéo, je suis en famille, je ne connais pas ça. C'est comme ça qu'ils sont. Bon, les femmes vont sortir. Non, là, on voit même acheter les gâteaux. Il bouge, il ouvre, il est au calme. Poupon, ça c'est Poupon. Là c'est Poupon. Là après les épéquins, c'est Poupon. C'est ça là. Oh. Parce que quand l'histoire a commencé, ça a commencé l'histoire que y a l'autre qui a coupé l'autre les doigts. Après, bim, c'est l'histoire de hier là qui a commencé. Je te dis. Oh là, il me met la famille. Hein. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, c'est celui qui dit, il n'y a pas quelqu'un. Donc, non, mais attendez les gars. Vous voyez quand il est là comme ça, là, posé comme ça, là, et là. Il n'y a pas quelqu'un, les gars. Vous êtes fou. Vous êtes fou. C'est pas celui qui est doux là-bas qui parle comme ça. J'ai raté un film. Il n'y a pas l'homme là-bas où parle de la Nouvelle-Zélande. Les gars, vous êtes quoi ça? Vous parlez de la Nouvelle-Zélande. Il y a des petits qui marchent ensemble depuis de la même génération. L'autre est venu chez l'autre. Donc là-bas, on avait Zé Pequeno. Là, on a Poupon, Pepito ou Pichou. Le français a changé. C'est plus. Là, c'est Poupon qui parle. Ils ont fait la bagarre.
L'autre a coupé l'autre les doigts dans la bagarre. L'autre est retourné prendre ses frères. Ils sont revenus chez les autres, bastonner les gens, braquer les gens. Ils sont retournés. Eux aussi, ils ont formé leur gang. Ils sont aussi retournés là-bas faire ce qui s'est passé hier là. Que tout le monde est au courant de ça là. C'est ça là. Oh. Parce que quand l'histoire a commencé, ça a commencé l'histoire que y a l'autre qui a coupé l'autre les doigts. Après, bim, c'est l'histoire de hier là qui a commencé. Je te dis. Mais c'est vous qui le chef de gang. Il y a à cause de lui, on a que tout le monde à plat, la même pour les gars, on n'a même pas le goût d'aller se balader même. Oh. Bonsoir, au peuple gabonais. Bonsoir. Mais en fait, j'ai remarqué, hein, le petit l'aime toujours saluer le peuple gabonais. Bonsoir, monsieur. Le peuple gabonais. Qui est? Tu nous salues pourquoi? Partout. Le peuple gabonais. Le peuple gabonais. Tu as quel problème avec nous, Mani? Écoutons Pichou. Ah, c'est Pichou qui nous parle. Bonsoir, le peuple gabonais. Apparemment, c'est moi, c'est Pekinho du Ré. Comment apparemment? Non, les enfants là. Attendez-moi. Toi-même sur ton compte écrit Zepequinho du Real. Avec le FIA. Tu viens maintenant nous dire apparemment, c'est toi, Zepequinho. Donc, tu doutes même de ton identité. C'est comme ça qu'ils sont des bandits quand ils agressent, mais quand ils sont devant les policiers, bien lors d'une justice populaire. C'est plus les grands noms, c'est plus Zepequinho, c'est Poupon, c'est Pardon, ça appelait ma mère. C'est comme ça qu'ils sont tous. Là, je les globalise, tous les bandits du Gabon. Aujourd'hui, ils rient parce que ces Zepequinho, ils sont tous pareils. C'est pour les montrer qu'ils sont. Je fais ce live-là pour vous montrer que les petits-là sont faibles. C'est les ceux qui sont les bons, ils bougent là, c'est les menteurs. Ils sont même plus mougous même que lui-même. Laissez ça. C'est une bande de mougous, les petits-là. C'est quand ils sont grands en groupe, là, ils sont forts. Et là, j'interpelle le peuple gabonais imbécile, le con, j'interpelle qui? Tu es un petit plat, la même pour les gars, je n'ai même pas le goût d'aller se balader même. Bonsoir, au peuple gabonais. Bonsoir. Apparemment, c'est moi, Zepequinho du Real. Non, c'est toi, c'est pas apparemment, ma boule enfant. Je ne connais pas leurs problèmes. Les gens qui sont partis faire leurs problèmes, comme on écoute, comment ils racontent l'histoire d'un port gentil, que ça a commencé, que ces deux petits qui ont fait la bagarre. L'autre s'est coupé les doigts. Bon, maintenant, moi, je vais m'incriminer à cause de mes vidéos. Pourquoi maintenant? Même gabonais, on a qui? Quand ils cassaient les bouteilles, là, quand ils étaient avec les petits, là, plein de leur chanvre, leur monde et leur connerie, là, le ton était quoi? Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas machin qui est fou. Vous êtes fou. C'est tous les bangados, là, ils sont comme ça, en fait. Ça se résume à ça. C'est pour rappeler que c'est vrai. Il y a un moment donné, vu que les forces de l'ordre la font chier, en groupe, dès qu'ils viennent comme ça, vous sortez, les riverains sortent avec les Orban, les petits la fuient. C'est les petits mougous, c'est les mougous. Autant qu'ils sont, c'est les mougous. Quand le danger arrive, ils deviennent comme ça. Là, il est en train de nier l'Andosmanie comme Pierre avait nié Jésus. C'est pas moi, oh. Moi, je ne connais pas ça, oh. Il m'a béni des hauts, des hauts, des hauts. Il est en train de nier l'Andosmanie comme Pierre avait nié Jésus. Et devant le peuple gabonais qu'il salue. De mes vidéos. Oh, parce que tu dis dans tes vidéos que tu es le grand bandit des ports gentils. Non. Moi, mes vidéos, je dois dire si le grand bandit des ports gentils, c'était mon moon. Hein. Voilà. Quand le danger arrive, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Ils disent, c'est pas toi qui avait sorti la machette pour vouloir Chouk Daril. C'est toi qui avais fait ça, mon Zepequinho, toi là. Tu as sorti la machette, non? Comme vous tournez, parce que là, il y a toi que l'oiseau rare avait appelé sur le podium, parce que l'oiseau rare, toi aussi, tes amis bizarres que tu tournes avec là, il y a un moment donné, il faut arrêter de faire les vidéos bêtes avec eux. Parce que je me rappelle que tu avais fait, c'est le petit là qui avait embuscadé Daril, que tu avais fait monter sur scène. Après, on t'a vu avec l'autre, là, parce que j'affiche aussi l'autre, là, qui est en mode avis de recherche, là. Arrêtez vos trucs de prôner le banditisme.
et faire en sorte que nos petits frères idolâtrent des bandits, des voleurs, des assassins, des tueurs. Regardez, c'est pas toi qu'on avait vu, tu as sorti le Zorba Mandaril. Voilà. Pour avoir les vues, les trucs, monsieur Logan m'a dit dans les réseaux, dans la vraie... Regardez, dans les réseaux, hein, donc il se dédouane du banditisme. Il se dédouane, hein, il enlève le corps. Là, c'est comme ça qu'ils font souvent chez leur maman. Quand vous vous plaignez souvent que ouais, les bandits agressent, quand ils partent chez leur maman là-bas, les mamans qui partent vont payer. Hey, on va commencer à boler vos enfants dehors. Hein. Les mamans qui partent vont payer les cautions, qui usent de longs bras. Ils font ça comme ça. Maman, c'est pas moi. Maman, je n'ai rien fait. En tout cas, la nuit, il t'a dit, c'est moi le grand bandit. Il t'a tchou. Mais là-bas, il pleure comme ça. Maman, c'est pas moi. Maman, je n'ai rien fait. Maman, il m'accuse. Oh. C'est les autres. Oh. C'est pas moi. Vous pouvez vous renseigner. Moi, je ne suis pas un bandit. Hein. Tout sauf ça. Tout sauf ça, vous pouvez vous renseigner dans les commissariats, partout. Moi, je ne suis pas un bandit. Oh. Pardon, évitez. Oh! Le bandit a nié le banditisme. Comme Pierre avait nié Jésus. Il a nié. Autant qu'ils sont, c'est des petits bandits en carton. Allons-y. Ils sont là, les présumés auteurs des actes de... Oh Seigneur, ils sont là, les Ndos. Ils sont de retour. Violences qui ont traumatisé les ports gentillés ces derniers jours et partout. Oh, le temple Ming. Oh, 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 oh. Non, 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 déjà. Félicitations aux forces de l'ordre, déjà, hein, pour avoir pris ce bon petit paquet. Mais encore à port gentil, il y a beaucoup de bandits. Encore. Il manque encore celui que vous avez mis la vie de recherche, là. Celui qui est avec l'oiseau rare en train de sortir les billets, là. Lui aussi, c'est un bandit. Vous avez mis la vie de recherche. Il manque lui aussi. Félicitations aux forces de l'ordre. Chapeau pour votre travail. Mais. La personne que moi, je respecte, là où vous me voyez là, c'est le coiffeur là. Non. Mes amis, mes spaces de la GR, mes spaces de la police, mes spaces de la gendarmerie, le coiffeur là, il a fait un stage au Japon ou en Chine. Le coiffeur là, c'est ma star. Vous devez m'envoyer la photo du coiffeur là. Parce que lui là, il rend les jambes beaux. Coiffeur Young. Particulièrement dans la nuit du 23 août. Armé de haches, de machettes, de couteaux, de bouteilles cassées et autres armes blanches. Oh, carrément, les dopels. Ah, les gars, là, ils ne bloquent même plus avec la régame. Ils tchouquent maintenant les dopels. Ils ont vandalisé des commerces, violenté et braqué de paisibles citoyens dans les quartiers Salsa, Santa Barbara, quartier Chic, Ombwe Central, Sindara et bien d'autres, non sans les dépouiller de leurs biens. Avec diligence et dextérité, le dispositif des forces de police nationale, déterminé à rétablir l'ordre public troublé par ces jeunes désœuvrés, s'est déployé dans la ville avec l'appui du parquet de la République. Dans la nuit du vendredi, ils ont procédé aux premières interpellations avant de mettre la main la nuit du samedi. Oh. Non, t'as le meilleur coiffeur du monde. Non. Mais non, ça c'est les moines du Tibet. Ça c'est un temple tibétain. Non. Oh. Non, à la Jet Li, là il nous manquait de... Non, fallait faire le chignon. Tu prenais même la mèche. Le coiffeur là, c'est bon. C'est ma star. C'est trop ma star. Dit 24 au dimanche 25 août, sur une des figures du grand banditisme à Port... Oh, les Tao Pei Pei. Non, le coiffeur là, non. Le coiffeur, là, c'est trop ma star. Envoyez-moi la photo du toit. Je vais soulever le coiffeur. Ça, c'est Tao Pei Pei. Oh, ça, c'est des mauvais chitons. Oh. Gentil, il s'agit de Linz et Barry Stonson. Oh, regardez quelqu'un comme ça. Ça, c'est pas tuer quelqu'un. Oh, mais le coiffeur, là, vraiment, regardez comment il est positionné. Là, il mérite même une bonne mélodie chinoise. Il est là posé comme ça, là. Maître Shaolin, Maître Pyongyang. Il est posé comme ça, il n'y a pas quelqu'un. Avec la tête comme des quatre points cardinaux. Petit jeune cabosse. Hein.
Non. Petit, moi, j'ai une grosse tête, mais j'ai pas une tête bosselée. Quand je vois ta tête là, mon petit, une tête bosselée, hein. C'est le relief. Tu as une tête en forme de relief, mon petit. Je suis sûr que celui, tu as donné même du fil à retordre au coiffeur chinois là. Le coiffeur là, toi, ta tête là, il a peut-être fait 4 heures sur ta tête là. Mba, alias Zepeke du Real de Madrid, un compatriote âgé de 25 ans. Bonjour peuple gabonais, je me présente, moi c'est Et déjà, j'ai interdit, et ça je vous le dis, ça cache, il n'est pas du Real de Madrid. Je sais que les bandits, ça c'est un truc, et là, ça commence, là je suis sérieux en fait. Majoritairement, on vous voit toujours avec le maillot du PSG de Messi et ou le maillot du Barça. Le Real Madrid, on ne le connaît pas. Je préfère déjà vous dire, c'est pas que vous les Barcelonais, vous commencez à écrire toujours le Real. Il n'est pas, non. Ça, c'est un infiltré du Barça. Nous, on ne le connaît pas. Donc, n'en mêlez pas. Hey! Là, je suis sérieux. Hein. Ne jouez même pas avec un peu avec ça. Merci. Pequeno du Real, je suis à Port-Gentil. J'ai été arrêté à cause des nombreuses vidéos que j'ai. Oh, enfin, c'est l'avatar. Mais le gars, là, avec la tête de Zé Pequeno comme l'avatar, là, chef, non, chef Lee, chef coiffeur. Fallait juste prendre genre la peinture, tu faisais la petite flèche là. Ça, c'est la tête de l'avatar, comme ça, tu as. Non. Là, c'est parfait. Là, tu as 8 sur 10. Mais si tu ajoutais le truc de l'avatar là, la flèche là, tu pouvais faire ça sur sa tête là. Il y avait encore y a la superficie. Hein. Tu pouvais mettre ça là. Tu as raté le. Si tu avais mis encore le truc de l'avatar là, oh, tu as 8 sur 10. Oh, tu as gaspillé le mood, mon coiffeur préféré. Faire dans le net comme celle d'où je casse la Oh non, celui-là il a tué le game. Non, là, non, au contraire, il a tué le game. Donc là, il a les civils, donc il a les pièces. Le gars l'a mis. Le plus beau coiffeur du Gabon. Donc le gars, regardez, il y a les civils derrière. Donc, non, j'imagine là-bas, ça fait mal, hein. Parce que les civils, c'est les pièces. Donc ils te font le bas, ils n'ont pas détaché. Lui, ils ont fait vraiment ça c'est la croix typique des Chinois. Mais lui, il avait les civils. Oh non, il a eu mal. Hein. Oh, vrai. Il a un couveau propre. On sent quelqu'un qui fait quand même des shampoings. Hein, parce que les civils s'entretiennent. Parce qu'il a un couveau propre. Bouteille sur ma tête. Il y avait plus de 100 gars, il est machette. Après, ceux qui sont entrés ici chez moi, j'étais en train de travailler sur la culotte qui est sur la machine. Ils m'ont maîtrisé avec les machettes. Et l'un d'eux m'a balancé. Celui-là, le regard qui donne là. Parce qu'on va bientôt basculer sur l'affaire de Michaela. De Michaela. Le regard que celui-là nous donne là, ça c'est le regard des bandits chinois. Je reviendrai. Je reviendrai, les gars. C'est ça, c'est le regard là. Je vois comment il fixe l'objectif. On s'est habitué. Même Zé Pequeno n'a pas le niveau du gars là. Zé Pequeno du Barça. Je ne vais pas mettre rien à côté de lui. Zé Pequeno du Barça là n'a pas le niveau de celui-là. Quand il regarde, Zé Pequeno bégaye, mais lui, il regarde son objectif. Je reviendrai, les gars. Je reviendrai. Je reviendrai. Lui là, c'est un kidnappé. La machette sur la tête, je me suis blessée si bien que toute la nuit, j'ai passé à saigner. Tout l'argent que j'ai travaillé le mois d'août, ils ont tout pris. Mais ils m'ont plaqué contre la porte de ma maison. Non, non, j'aime trop mon pays, quoi. Vous êtes allé plaquer le frangin. Vous allez vider la recette de la maman et le frangin, il est dépassé. Vous l'avez comment? Clac. Ils étaient une foule, une marée noire. Ils sont. Oh, une marée. Oh non, le Gabonais raconte l'histoire, tu ne peux pas. Vous avez plaqué le frangin. Non, je sais, bastard aussi. Ils m'ont quand même plaqué. J'étais en train de travailler sur la culotte qui est sur la machine. Ils m'ont maîtrisé avec les machettes. Et l'un d'eux m'a balancé Oh, la pardon, là, il machette ne fait sur pas, la ne tête. regarde Je me suis pas. blessée si bien Oh, que toute la regardez. nuit. J'ai passé à saigner. Tout l'argent que j'ai travaillé le mois d'août, ils ont tout pris. Mais ils m'ont plaqué contre la porte de ma maison. Et ils étaient une foule, une marée noire. Ils sont habillés en cagoule, armés de machettes.
Ils m'ont suivi dedans là-bas, à l'intérieur du bar. Deux sont venus avec les machettes pour essayer de m'appeler le téléphone. J'ai refusé, mais ils ont insisté. Moi aussi, j'ai résisté. Je me suis protégé avec le casier. Zé Pequeño a été pris avec ses compères et bien d'autres malfrats. Au total, 45 délinquants seront présentés devant le procureur de la République ce lundi 26 août 2024 avant d'être déférés à la prison centrale de Port-Gentil. Mais pour combien de temps s'interrogent déjà les populations habituées à voir ces mêmes visages entrer et sortir de prison comme un jeu d'enfant? Si les Marigovéens, tout de même traumatisés, peuvent espérer un retour à la normale les prochaines heures, la question de l'insécurité persistante, consécutive entre autres au trafic de stupéfiants, reste entière dans la capitale économique gabonaise. Vous savez pourquoi? Et là maintenant, on partage massivement le live. On partage maintenant ça massivement, la famille. Partagez maintenant partout, partout, partout. Parce qu'il fallait cette phase pour la phase de transition pour venir maintenant sur le sujet de notre sœur Michaela Ongwa. Ouais. Vous savez, à la fin du reportage, la dame là, elle a parlé. Hein. Elle a dit quoi? Les populations sont fatiguées. Parce que les gars là rentrent. C'est leur maison. Ils rentrent, ils ressortent. Ils rentrent, ils ressortent parce que soit il y a la famille, soit il y a les longs bras, soit il y a les pots de vin qu'on verse à nos autorités. Afin que ces derniers rentrent et ressortent et reviennent encore commettre la même chose. D'autres ont même déjà laissé leur matelas là-bas, leur carton. Quand vous voyez, lui s'appelle Aspic. Son nom c'est Aspic. Regardez le visage du gars. Il est serein. Non, regardez bien le visage là. C'est que lui, il se dit, il est là posé. Il y a quoi là? Je vais bouger là, je vais sortir dans 6 mois. Il y a quoi? Il y a dans 2 mois. C'est ça qui est là, donc, là devant vous. La population gabonaise, on sera obligé d'employer la manière forte en fait. Parce que si ceux-là sont partis là, on les revoit dans 2 mois, 3 mois. Ils vont revenir faire encore la chose là 4 fois plus. Regardez les visages. Ils sont pleins d'os. Regardez. Très serein. Regardez les visages. Regardez bien leurs visages. Regardez comment, regardez. Quand on les attrape, ils sont en train de pleurer. Regardez. Ils sont en train de pleurer. Là, ils veulent rentrer dans les jupons de maman. Regardez. Regardez comment ils sont en train de comme des édungués, des bêtés. Donc, dans le cadre là aussi, il y a la vie de recherche. Comme on a parlé avec le Nyamboy, l'oiseau, ton élément là, que tu sais où il est, faut déjà montrer là où il se cache. Parce que celui-là, il doit aller trouver les autres en fait. Il ne va pas rester dehors comme ça. Hein. Population de Port-Gentil. Celui-là. Si vous avez peur, vous m'envoyez sa localisation. Je fais comme les autres. Je le space. Parce que les petits qu'on a attrapés là, au moins 10 à l'intérieur, dans le tombeau ouvert, on m'a envoyé la localisation. J'ai mes gens qui sont dans la GR là-bas, qui sont posés dans Port-Gentil. Donc, vous savez où il est. Vous avez peur d'aller à la police. J'ai les contacts ici, hein. Vous m'envoyez la localisation de ce dernier. J'envoie à mes gars, soit de la gendarmerie, soit de la GR. Je suis un space. Je vous dis ça cache. Je vous ai bien dit hier que je vais vous space. Aujourd'hui, vous êtes où? On ne vous a pas maillé. Zé Pequeño, je t'ai dit hier que je vais te space. On ne t'a pas maillé. Toi aussi, on va te space. On va te tayam. Toi, on va te tayam. Parce que dès que l'on termine, vu que depuis là, la police a mis, vous n'arrivez pas à attraper. Là-bas, le Kongeng va publier. Vous allez voir, demain, on va l'attraper. Donc, cher Space, il y a le numéro qui est là. Vous m'envoyez. Je la loue. Je ne sais même pas les larmes.